Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à l'émission Dialogue avec le gouvernement. Et pour ce numéro, nous recevons le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, M. Clément Pegdwende Sawadogo. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Vous êtes sans doute à la tête d'un des départements ministériels les plus sollicités depuis de longs mois, avec cette forte agitation du front social. Nous allons en parler dans cette émission, ainsi que de nombreux autres sujets relatif, entre autres, à la modernisation de l'administration, aux conditions de vie et de travail des agents, à la protection sociale ou encore à l'assurance maladie universelle. Des échanges que j'ai le plaisir de conduire en compagnie de mon confrère Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonsoir Soumaïla. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Monsieur le Ministre. Voilà, et pour camper le décor de cette émission, Monsieur le Ministre, nous vous proposons de suivre des avis de citoyens que nous avons recueilli un peu partout sur le territoire national, dans différentes régions. Suivons. Quand on dit la modernisation de l'administration, je me dis que ça ne se limite pas à Ouagadougou. Les gens sont dans les régions, on n'a même pas le minimum de connexion. Quand on prend le traitement des dossiers, il y a des retards dans les avancements qui sont peut-être dus soit à la lenteur administrative, soit aussi aux dossiers égarés. Parce que nous, on a été victimes de ça. Il y a des dossiers qui ont été égarés. Les fiches de notation, par exemple. Donc, qui nous ont empêchés d'avancer comme il se devait. Je crois qu'effectivement, il y a une corruption qui se fait. Puisque, par exemple, pour les avancements, il faut avoir des relations. Donc, je connais X, je connais Y. Mon problème est vite résolu. Et bon, pour celui qui va très rarement à Ouagadougou, il va attendre, il va marcher, il va écrire. Et rien ne se passe. Quand, parce que tel groupe a fait un mouvement, son problème est résolu, ben, c'est comme si le gouvernement ne veut pas la paix sociale. Parce que les autres, pour résoudre leurs problèmes, sont également tenus de faire quelque chose. Il n'est pas bon, pour surtout les dirigeants, surtout pour le ministre, de toujours faire croire que c'est les fonctionnaires qui consomment tout, je dirais, les recettes fiscales de l'État. Ce ne sont pas les fonctionnaires, nous sommes 147 000. Mais si nous prenons, par exemple, les budgets alloués aux différentes institutions, récemment, j'ai lu dans le journal que le budget de la présidence, ça tourne autour de plus de 58 milliards. Et les autres institutions, ça fait combien? Nous avons vécu des années durant où vraiment l'administration a été politisée, où on a mis des gens qu'il ne fallait pas à des endroits, hein, oui, on ne devrait pas les retrouver. C'est tout ça là qui a amené la corruption. Voilà. On met des incompétents. Ils sont là. Ils ne font rien. Mais c'est eux qui encore veulent être soudoyés pour pouvoir faire le travail. Actuellement, nous avons un problème dans la région des Hauts-Bassins, particulièrement s'agissant des affectations. Il y a eu un problème d'affectation, une série d'affectations arbitraires. Le syndicat a voulu attirer l'attention des gouvernants là-dessus. Ça fait que le OUE a pris un grand retard dans l'exécution du programme. Malheureusement, lorsqu'on a décidé de mettre fin à cette série de grèves, ce qu'on a constaté avec amertume, c'est les coupures. Il y a des gens à qui on doit couper 200 000 francs. Imaginez-vous, le salaire, c'est combien? Si on doit vous couper, retenir 200 000 francs par mois, c'est dire à votre femme de vous quitter. Nous savons que lorsqu'on va en grève, c'est normal qu'on retienne le salaire. Mais les montants coupés ne répondent à aucune logique. Quoi qu'on dise, les recettes, c'est nous qui les créons pour la plupart, pour collecter les impôts et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, je demande vraiment qu'on revoie plutôt le niveau des conditions de vie des travailleurs de façon générale. Voilà pour ces avis de quelques fonctionnaires recueillis dans plusieurs régions du Burkina. Alors, on l'a vu, retard dans les avancements, pas de connexion, problème de corruption, politisation de l'administration, les problèmes des affectations. Monsieur le ministre, le moins que l'on puisse dire, c'est que les plaintes sont nombreuses et cela donne l'impression que rien ne va, monsieur le ministre. Oui, je voudrais, avant d'aborder toutes ces questions qui sont source de préoccupation pour tous les citoyens de notre pays, vous dire merci pour l'initiative de cette émission, pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette émission, et dire merci au service d'information du gouvernement qui est aussi l'initiateur de l'émission. Naturellement, les fonctions publiques dans nos pays sont
sujette à beaucoup de critiques, de récriminations, somme toute légitimes. Ce sont des fonctions publiques qui ont été héritées de la période coloniale, qui traînent avec elles des tares congénitales. Ces critiques ont été faites, vous vous rappelez, hein, tout au long de notre histoire, ces aspects ont été relevés. Et aujourd'hui encore, malgré la somme d'efforts qui ont été faits, il y a encore beaucoup de tares dans la gestion de notre administration. Donc, les questions qui sont soulevées par les personnes qui ont été interrogées ne sont pas du tout surprenantes. Ce sont des situations que l'on vit chaque jour. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur chacune de ces préoccupations-là. Mais j'ai dit tout de suite que ce sont des questions que nous vivons au quotidien. Maintenant, si donc, on le vit, Monsieur le ministre, il y a des priorités, il y a probablement matière à hiérarchiser ces préoccupations pour les traiter. Comment vous les hiérarchisez? Alors, lorsque je suis arrivé à la tête du département, naturellement, enfin, il y a de cela une année, quelques deux ou trois mois, naturellement, je me suis mis à l'écoute non seulement des citoyens, mais aussi de mon personnel. De sorte que nous puissions justement opérer cette hiérarchie dans les priorités. Nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Mais quand tout est prioritaire, on hiérarchise encore les priorités. Donc, nous avons compris que tout de suite, il fallait avancer, améliorer dans le traitement des dossiers des fonctionnaires. Et donc, instaurer des règles qui permettent de fluidifier davantage cette mécanique-là pour un temps soit peu limiter les plaintes des fonctionnaires. Certains sortent des écoles professionnelles et doivent attendre plusieurs mois, peut-être même une année, avant de pouvoir recevoir leur arrêté d'intégration et leur premier salaire. Et donc, ce sont des questions auxquelles nous nous sommes attelés. Du coup, je pense qu'au cours de l'année 2016, si on fait le point, une grande majorité des fonctionnaires élèves, c'est-à-dire de ceux qui sont sortis des écoles, élèves fonctionnaires ou fonctionnaires élèves, ont pu trouver leur situation rapidement résolue. Vous avez par exemple eu le recrutement de 3000 lycéens en mesure nouvelle. Et un travail a été fait de sorte que ces 3000, dès leur sortie, seulement quelques semaines après, ont pu être intégrés et dans les 3 mois, ont perçu leur premier salaire. Ça, c'était... C'était déjà une priorité, Monsieur le ministre. Voilà, c'était déjà une priorité et on a avancé. Mais vous savez que je suis venu tomber aussi sur l'épineux dossier du reversement dans la loi 081. Bon, on y reviendra certainement. Nous allons y revenir, Monsieur le ministre. Il s'agissait pour le moment d'une mise en bouche. Et tout de suite, nous allons ouvrir la première rubrique. Assurer la modernisation de l'administration, tout un programme, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le chantier est titanesque. Les enjeux dans ce reportage. L'État est le promoteur de l'intérêt général et le garant de la solidarité nationale. Mais il n'y a pas d'État sans un système administratif qui est l'instrument de mise en œuvre des politiques publiques au service du développement économique et social. La mise en place d'une telle administration nécessite que les gouvernants s'engagent dans un effort continu de réforme, d'où l'option du Burkina Faso de moderniser son administration en vue d'assurer son adaptation constante à l'évolution économique et sociale par la simplification et la modernisation des procédures et des démarches administratives. Ainsi, au cours de l'année 2016, le gouvernement a travaillé entre autres à la mobilisation de plus de 23 milliards de francs CFA auprès de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du plan stratégique décennal de modernisation de l'administration, à la généralisation de la journée continue de travail dans la fonction publique, à la mise en place d'un guichet virtuel unique de l'administration publique,
un portail Internet polyvalent qui centralise l'ensemble des services, des procédures, des formulaires et des informations destinées aux usagers de l'administration, à une meilleure organisation des concours d'accès aux emplois publics et à l'élaboration et la validation de 10 codes d'éthique et de déontologie au profit des départements ministériels. D'ici à l'horizon 2020, le gouvernement entend améliorer la productivité de l'administration et accroître ses capacités de pilotage des politiques publiques par la mise en œuvre effective du plan stratégique décennal de modernisation de l'administration, une relecture inclusive des différents textes nationaux encadrant le travail afin de promouvoir le travail décent au Burkina Faso, le renforcement de l'opérationnalité et des capacités de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE et le contrôle du strict respect des codes d'éthique et de déontologie élaborés au profit des départements ministériels. L'ensemble de ces actions devait permettre d'augmenter de 50% le niveau de satisfaction des usagers de l'administration publique. Voilà pour ce reportage. Et tout de suite, la première question, Monsieur le ministre, et c'est un travailleur qui vous la pose. Attends qu'il y a une insuffisance criarde en personnel, pendant que ailleurs, les gens sont comme un peu sous-employés. Alors, je voudrais demander à M. le ministre qu'est-ce qu'il entreprend comme mesure pour résoudre ce problème d'insuffisance en personnel dans les provinces surtout. Voilà, M. le ministre, insuffisance de personnel en province, pléthore ailleurs. Je pense que la question du citoyen est assez claire. La question est très claire. Pour nous, effectivement, il y a un problème à résoudre dans l'administration publique. C'est comment rationaliser l'emploi public. Comment faire en sorte que, si vous employez un agent, que ce soit pour satisfaire un besoin précis, et que, par conséquent, l'agent soit rentable aussi dans sa production. Effectivement, quand on fait le point, il y a des zones d'encombrement cohabitent à côté des zones de déficience. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est que d'ailleurs, tout récemment, nous avons proposé à l'adoption du Conseil des ministres un dossier sur la mise en place dans tous les départements ministériels et institutions de l'État du tableau prévisionnel des effectifs et des emplois de la fonction publique. Alors, c'est un document qui doit être donc façonné de manière participative à l'intérieur du département ministériel et qui indique sur plusieurs années, c'est un document de planification, qui indique qu'est-ce que nous avons comme profil, de quel profil avons-nous besoin, de quel profil n'avons-nous plus besoin et par conséquent, cela permet de rationaliser aussi les recrutements. Voilà. Il faut déjà commencer par ça. Si vous recrutez ceux dont vous n'avez pas besoin, naturellement, on va se retrouver dans la situation où des fonctionnaires n'ont pas leur d'emploi, n'ont pas de matière pour travailler. Mais ici, ça, ce n'est qu'un des aspects. Voilà, le problème qui se pose, c'est surtout la question de la répartition. Je pense que c'est ça l'objet. Oui, mais encore faut-il que vous ayez les profils qui correspondent à la nécessité d'emploi. Donc, l'autre aspect, c'est de décrire les postes. Ça, c'est un dossier aussi qui est en cours, qui va arriver également sur la table du gouvernement. Et c'est ce qu'on appelle la description des postes dans l'administration. Dans le privé, par exemple, ça se fait, c'est souvent dans les entreprises. Mais dans les services publics, on ne s'attelle pas à cela. Alors que c'est très important. Il faut que pour chaque poste, on dise ce à quoi il correspond et le profil dont on a besoin pour pouvoir effectuer ce travail. Donc, si deux personnes se retrouvent là-bas, tout de suite, le dysfonctionnement va être constaté. Donc, ça, c'est des choses que nous sommes, sur lesquelles nous sommes. Le problème, ce n'est pas parce que vous centralisez tout. Parce que depuis Ouagadougou, si vous devez piloter la gestion des agents partout sur le territoire, bien entendu, vous n'avez pas une vue qui vous permet d'être vraiment moins théorique. Il n'y a pas une centralisation excessive à ce niveau-là. Parce que, comme vous le savez, les ministères
se sont déconcentrés. Déjà, la gestion des effectifs de la fonction publique a fait l'objet d'une grande déconcentration au profit des départements ministériels et des institutions il y a de cela quelques années. Donc, vous voyez, les fonctionnaires ne courent plus vers le ministère de la fonction publique pour les actes, hein, que ce soit les actes de, d'affectation, d'avancement, etc. La fonction publique s'occupe uniquement de l'entrée du fonctionnaire et de sa sortie, uniquement. Tout le reste de sa carrière est géré au niveau des départements ministériels et au niveau des régions, parce qu'il y a les directions régionales de la fonction publique dans les 13 régions, et chaque ministère aussi a une déconcentration de ses activités de gestion. Donc, je ne pense pas que le problème, ce soit la gestion centralisée. C'est vrai que après avoir recruté les fonctionnaires, on les affecte à un ministère qui procède à l'allocation, mais je ne pense pas qu'on puisse faire autrement. OK. Monsieur le ministre, on va poursuivre avec tout de suite la deuxième question d'un autre fonctionnaire. Nous avons eu des collègues au Sahel qui ont été attaqués et a même eu des victimes. Alors, à quand effectivement la sécurisation de nos biens et de nos personnes serait une réalité? Voilà, monsieur le ministre, un instituteur depuis Wayugia qui vous adresse cette question d'actualité liée donc au contexte sécuritaire. Certainement, beaucoup ne se sentent pas en sécurité dans la zone. Oui, c'est sûr, hein, mais je pense que le ministre de la Sécurité a eu l'occasion, dans une récente conférence de presse, de faire le point à la nation sur cette question qui est épineuse et qui préoccupe les fonctionnaires, évidemment, qui ne préoccupe pas que les fonctionnaires, mais l'ensemble des populations de ces zones à très haut risque. Nous sommes vraiment soucieux de cela et je partage la douleur et l'angoisse qui animent en tout cas les fonctionnaires qui servent dans ces zones. Toutefois, je veux dire que nous devons nous battre. Nous n'avons pas d'autre choix de toutes les façons. Nous devons nous battre en tant que peuple organisé, mobilisé. Nous devons nous battre pour nous défendre contre ces nouvelles formes d'agression sans motif. Et je pense que c'est à cela qu'aujourd'hui, le gouvernement s'attelle à travers, en tout cas, les actions de mobilisation de toute la population aux côtés des forces de défense et de sécurité, parce que notre sécurité, elle nous revient à tous également. Donc, je regrette vraiment les cas qui sont arrivés. Je présente aussi, en tant que ministre en charge des fonctionnaires, mes condoléances aux familles qui ont subi donc ces situations-là. Et j'adresse aussi mes encouragements à tous les fonctionnaires de ces zones et en leur disant que nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre. Nous allons nous battre. C'est ça justement la question. En fait, les agents publics, quand on les écoute, ils se plaignent du fait que vous n'êtes pas monté au créneau pour les encourager, les galvaniser, leur dire rien n'est perdu. Vous avez vu, les ministres ont été régulièrement, le ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, le ministre de la Sécurité. Bon, je pense qu'ils ont pris la route plusieurs fois. Le chef de l'État lui-même, dans certaines situations, s'y est rendu. Bon, je pense qu'on veille vraiment au grain, on veille quand même. OK, monsieur le ministre, on va poursuivre avec une autre question. Je voudrais savoir si la fonction publique prévoit d'ouvrir une catégorie P et pour le corps de l'administration. Voilà, monsieur le ministre, catégorie P, est-ce que c'est pour bientôt? Oui, mais la catégorie P existe déjà. Pour certains corps, pas pour tout. Oui, alors vous avez dans la catégorie P, alors comme c'est un peu technique, la catégorie P correspond en quelque sorte à la catégorie vraiment extraordinaire de fonctionnaires. C'est la catégorie la plus haute. C'est par exemple les médecins spécialistes, les hospitalo-universitaires, les enseignants-chercheurs, et on y a ajouté les encadreurs pédagogiques du secondaire, les inspecteurs du secondaire. Bon, bien sûr, dans P aussi, c'est hiérarchisé, il y a PC, PB, PA, PA. Et donc, la question, en fait, j'allais dire, ça existe déjà.
Ça existe déjà puisque, par exemple, les encadreurs pédagogiques sont déjà en paix. Est-ce qu'on va étendre à d'autres catégories? Alors, si vous avez, ça correspond aussi à un niveau de qualification. Si vous avez un bac plus 5 années de formation professionnelle, vous êtes en A1, catégorie A1. Je pense que beaucoup de fonctionnaires, la télévision, sont en A1. C'était en quelque sorte le summum déjà au niveau des fonctionnaires. Donc, bac plus 5, bac plus 6, bon, vous êtes toujours en A1. Donc, si vous avez atteint un bac plus 7, plus 8 ou plus 9 ans, effectivement, vous avez vocation maintenant à être dans la catégorie P. Donc, la question est très simple à ce stade. Donc, il suffit de pouvoir atteindre un bac plus, mais un bac plus 7 ou plus 8, dans les conditions organisées par le statut général de la fonction publique. C'est important, parce que vous pouvez être, en tant que fonctionnaire de catégorie A1, vous vous êtes battu par vous-même, vous avez obtenu un doctorat ou un diplôme, en tout cas, de très haut rang, mais on ne peut pas le prendre en compte comme ça. Voilà, il faut que vous ayez été mis en position de stage, il faut qu'on vous ait sélectionné par un concours, etc. Bon, voilà, c'est ce qu'on lit en filigrane, en fait, dans sa question. C'est la question de la motivation, la question de la culture de l'excellence dans l'administration publique. Quand des gens font des efforts, il faut trouver des moyens de les rémunérer à la hauteur de ce qu'ils apportent à l'État. Oui, absolument. Mais dans l'un des objectifs de la loi 081, c'était justement de prendre en compte le mérite. Parce que vous devez être noté. Si vous avez de mauvaises notes, vous n'allez pas avancer. Si vous avez de très bonnes notes, vous pouvez bénéficier d'un avancement accéléré. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en catégorie P qu'on n'a pas cette motivation. Si vous êtes en catégorie A1, vous êtes dans la première classe, puis vous allez passer à la deuxième classe et vous allez terminer par la troisième classe. Et si vous êtes excellent, vous pouvez bénéficier d'un avancement accéléré par rapport à celui qui est médiocre. Est-ce que ça, c'est vraiment appliqué, monsieur le ministre? Les textes disent que, normalement, quand vous avez, en tout cas, sur une certaine période, de très bonnes notes chaque année, vous pouvez, en tout cas, prétendre à une amélioration ou à une accélération de votre progression. Absolument. Est-ce que c'est vraiment appliqué, monsieur le ministre? Ah oui, c'est appliqué. Le texte le prévoit et on doit l'appliquer. Si... un fonctionnaire qui est dans ce cas-là n'a pas pu se faire appliquer cette disposition, ce n'est pas normal. Là, c'est peut-être un problème de suivi. Ah, mais il a son texte en main, il doit aller réclamer. Et vous savez aussi que si vous avez bénéficié d'une décoration, hein, vous bénéficiez aussi d'un échelon. Une bonification. Voilà, d'une bonification d'échelon. Alors, monsieur le ministre, on a pris quand même en compte le mérite. Voilà, on va évoquer cette question de modernisation de l'administration publique. Je crois que c'est un programme dont on parle depuis de longues années. Mais ce qu'on remarque, et un des citoyens qui l'a si bien relevé, est-ce qu'on peut parler de modernisation quand les agents dans beaucoup de services n'ont même pas accès à Internet? Ah, très bonne question. L'accès à Internet est effectivement l'une des conditions de la modernisation. Parce que la modernisation aussi, elle est empreinte de la possibilité d'utiliser les technologies de l'information et de la communication. Effectivement, dans notre pays, on a beaucoup de déficiences dans cette matière. Mais tout de même, nous avançons aussi. Il y a 10 ans, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Il y a 20 ans, ça ne se passait pas comme il y a 10 ans. Peut-être voilà, que c'est on là. Avance. Peut-être que c'est non, vous là. Pensez que c'est là, mais je pense qu'on ne peut pas. Le dicton de chez nous dit qu'on ne peut pas grossir au-delà de son enveloppe. Bon, c'est aussi la limite de nos ressources, puisque quelque part aussi, ces nouvelles technologies coûtent cher et l'infrastructure nationale est encore faible, il faut l'avouer. Donc, la bande passante, elle est encore faible. Et il faut travailler dessus. Et je sais qu'il y a beaucoup de grands projets aujourd'hui là qui sont en train d'être mis en place au niveau des ministères concernés. Donc, il y a beaucoup de défaillances, mais je pense qu'on va pouvoir passer rapidement ce cas. À côté de cette question d'Emmanuel là sur l'accès à Internet, il y a que des fonctionnaires même n'arrivent pas à utiliser
l'outil informatique parce qu'ils ne savent pas le faire. Il n'y a pas eu de campagne pour les y former. Alors, si son travail nécessite qu'il puisse utiliser à temps régulièrement un ordinateur, ben, naturellement, il doit être formé pour cela. Je pense que les plans informatiques des ministères et des institutions qui ont été mis en place il y a une quinzaine d'années avaient pris en compte la nécessité effectivement de former le personnel. Et si vous vous souvenez bien, il y avait ce qu'on appelait la DLJ, Délégation générale de l'informatique. Les fonctionnaires se sont succédés là-bas pour être initiés à l'informatique. Bon, maintenant, mais depuis, la DLJ a disparu. La DLJ a disparu. Un préfet, par exemple, monsieur le ministre, un préfet qui oui. n'a pas d'ordinateur dans son bureau, qui n'arrive pas à utiliser l'outil informatique, c'est un problème. Oui, en effet, c'est un problème, mais il aura certainement à côté de lui quelqu'un qui certainement peut suppléer. S'il a une secrétaire qui, elle, manipule bien, bon, il ne sera pas aussi efficace que celui qui manipule correctement l'outil informatique. Il va perdre plus de temps. Mais ça ne l'empêche pas d'être un préfet efficace, vous savez. Parce que si on se réfère au travail du préfet, il mène un rôle de veille de l'administration. Il peut être quelqu'un de très opérationnel, qui circule dans les villages, qui suit de près la vie de ses administrés. Ça, bon, c'est quand il a le carburant tout le temps. Hein? C'est quand il a le carburant non, tout le temps. Il aura le carburant pour ça. qui délivre les actes. Les actes qu'il faut aux administrés, etc. Mais vous savez que beaucoup des actes que les préfets prenaient sont passés aussi à la gestion communale. Et les communes, quand même, ont beaucoup plus de ressources pour pouvoir faire face à ces missions. Monsieur le ministre, il y a quelques années de cela, donc, il y a eu cette opération d'enrôlement biométrique des agents de la fonction publique, une opération qui avait donc permis à l'époque de déceler des milliers d'agents, en tout cas présumés fictifs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, en tout cas, cette question a été donc vidée? Est-ce qu'on a une administration aujourd'hui qui a été complètement assainie? Bon, je ne mets pas mon doigt au feu, mais je veux quand même dire très sincèrement qu'on a beaucoup avancé. Depuis la biométrie des fonctionnaires, et depuis qu'il y a eu aussi des opérations biétage, on a vraiment assaini le fichier des fonctionnaires de l'État. Il peut y avoir quelques cas, quelques rescapés, mais quand même dans l'ensemble, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui toucher un franc de l'État si vous n'êtes passé par la biométrie des fonctionnaires. Impossible. Alors, c'est quand même suffisamment verrouillé pour que des cas puissent... Mais il existe certainement des situations. Alors, les situations qui peuvent exister, c'est quoi? C'est par exemple quelqu'un qui est enrôlé de manière normale, qui est donc un fonctionnaire tout à fait réglementaire, mais qui, à un moment donné, par exemple, a quitté la fonction publique, qui est dans la nature, ou il est peut-être passé à autre chose. On n'a pas pris les actes le concernant pour le rayer des effectifs, par exemple. Et il peut continuer à cumuler, par exemple, une rémunération. Ça, ce n'est pas normal. Alors ça, c'est des situations qui peuvent subsister, ce qui veut dire justement qu'il faut que régulièrement, il y ait quand même des opérations de ratissage. Voilà. Mais l'infrastructure de base existe et à mon avis, le fichier de la fonction publique burkinabé est assez fiable. Parce qu'en son temps, en 2012, on parlait de pas moins de 6 000 fonctionnaires fictifs, en tout cas qui n'avaient pas régularisé leur situation. Est-ce qu'aujourd'hui, la liste est expurgée, la liste des fonctionnaires est vraiment assainie, quoi? Ils n'avaient pas d'autre choix que de se mettre en règle, puisque sans se mettre en règle, ils n'avaient plus de salaire. La mesure est suffisamment radicale. Et donc, régulièrement, nous continuons encore de recevoir des recours. Les gens qui ont constaté qu'on a interrompu leur salaire viennent maintenant justifier leur situation. Il y a quand même des cas raisonnables, hein, des cas où le fonctionnaire peut-être a raison. Mais il y a certainement des cas de fautifs et nous faisons bien sûr la part des choses. Si le fonctionnaire, parce qu'il y a une petite cellule qui regarde ça, si le fonctionnaire est dans une situation normale, mais il y a eu des raisons, par exemple des raisons de santé ou des raisons
compréhensibles qui ont pu le conduire dans une situation d'irrégularité, entre guillemets, à ce moment, on peut examiner son cas, régulariser, et lui faire donc effectuer la biométrie et rétablir sa situation. Ça, ça existe. Okay. Voilà. Monsieur le ministre, je crois que l'un des